Content de vous retrouver et de partager un agréable moment en votre compagnie. Alors voilà, pour le film d'aujourd'hui, on va totalement changer de registre, puisqu'après le film policier Sherlock Holmes et le film comique Monsieur Hector avec Fernandel, on se lance dans l'épouvante avec La Cité des Morts, un film britannique réalisé en 1960 par John Moxey. Dans le rôle principal, on retrouve Christopher Lee, Monsieur Dracula, mais également Patricia Jessel. Voilà, je voulais pas faire spécialement un synopsis ou un résumé. Je pense que c'est plus sympa si vous découvrez le film par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, pas grand-chose. On s'installe confortablement, on se détend, on éteint la lumière et c'est parti. Générique. Elisabeth Selwyn. Sortez la sorcière! Oui, ramenez la sorcière! Sortez la sorcière! Ramenez-la! Avez-vous quelque chose à dire pour la cause d'Elizabeth Selwyn? Non. Brûlez cette sorcière! À mort! Thank you.
prince Lucifer, ne l'abandonne pas. Elisabeth Selwyn. En ce troisième jour du troisième mois de l'an de grâce 1692, nous, les habitants de Whitewood, Massachusetts, vous condamnons en tant que sorcière. Puissent les flammes purifier totalement l'âme de ce démon. Et puisse le feu débarrasser ce corps de son sang impur et conjurer tous les maléfices. Avec toi, Lucifer. Aide-moi! Écoute-moi! Je serai ta servante jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, je pratiquerai les rituels de messe noire. Pour l'éternité, je ferai pour toi des sacrifices. C'est mon âme que je te livre. Prends-moi ton service. Oh, Lucifer, écoute ta servante. Accepte son pacte jusqu'à la fin des temps. Je suis avec elle. Et si nous échouons même une fois, tu feras de nos âmes ce que tu voudras. Fais de cette ville un exemple de ta vengeance. Damne-la! Damne-la jusqu'à la fin des temps! Laisse-moi être l'instrument de ce sort. Écoute-moi, ô Lucifer! Écoute-moi! Elle nous jette un sort. Un sort? Un sort. Brûlez-la! Brûlez la sorcière! Brûlez-la! 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 Brûle, sorcière! Brûle, sorcière! Brûle! 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 Ainsi hurlait la population de Whitewood en brûlant Elizabeth Selwyn en 1692. Cet exemple montre comment a été perçue la pratique de la sorcellerie en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Superstition, peur et jalousie ont mené les puritains à accuser leurs parents ou amis de commerce avec le diable. Érigeant partout d'énormes bûchers, trouvant toujours plus de bonnes raisons pour condamner de pauvres gens aux flammes. Les âmes torturées suppliaient dans l'agonie, les bûchers s'élevaient toujours plus haut. Brûlez les sorcières, brûlez-les toutes, brûlez-les, brûlez, brûlez, brûlez. Quelle mouche l'a piqué. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, nous conclurons cette étude de l'histoire de la sorcellerie au XVIIe siècle. J'apporterai des illustrations qui vous intéresseront sûrement. J'apporterai les allumettes. Oh. Maitland, c'est vous qui avez choisi de suivre ce cours et j'avais espéré vous voir faire preuve d'un peu de curiosité scientifique sur le sujet. Ce sera tout. Comment oses-tu, Bill? Tu as l'air de prendre ça trop au sérieux, on te croira hypnotisé. Oh, mademoiselle Barlow. Oui, professeur. Puis-je vous voir un moment? Quand est-ce qu'on se voit? Je ne sais pas. Très bien. Je vais attendre que tu sortes. Je vous écoute, professeur. J'ai des difficultés à le convaincre. Heureusement que certains ont l'air plus captivés que lui. Enfin, à la lecture de votre exposé, j'ai trouvé une intéressante approche du sujet, mademoiselle. J'aimerais aller en Nouvelle-Angleterre faire des recherches. C'est déjà très bon, vous savez. Oh, je ne suis pas vraiment satisfaite. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? J'aimerais assez faire des recherches sur le terrain. Je veux sentir l'atmosphère, comprendre comment s'est développée la sorcellerie et dans quel monde vivaient les sorcières. Ça peut vous prendre du temps. Mais j'ai tout mon temps. Mon frère et moi devions passer les vacances chez des cousins. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est pouvoir passer quelque temps dans un de ces anciens villages de Nouvelle-Angleterre. Fouiller toutes les archives de la mairie, réexplorer la bibliothèque, discuter avec des descendants de puritains, faire une recherche très approfondie. Votre frère est professeur de sciences, mademoiselle, et je doute de son intérêt pour l'histoire de la sorcellerie. Alors j'irai seule.
Il pourrait accepter ça. Je me charge de le convaincre. Il passe me chercher pour déjeuner. Bonjour, Bill. Professeur Barlow. Anne est là? Oui, dans la classe avec lui. Ça ne me plaît guère qu'elle s'investisse dans ces histoires de diablerie. Pourquoi ça? Ça fait partie des cours d'histoire. Professeur Barlow. Oui. Avant que vous n'entriez, puis-je vous parler un instant? Bien sûr. C'est à propos d'Anne et moi. Si ça vous tient vraiment à cœur, je vous conseille un village en Nouvelle-Angleterre. C'est tout simplement l'endroit où se sont passés les événements dont je vous parlais dans le cours d'aujourd'hui, Whitewood. C'est vraiment un petit village dans les environs de Darnall. Ces indications pourront certainement vous aider. Je vous remercie. Je crois que vous trouverez là-bas ce que vous recherchez. Et de plus, il se trouve que je connais la propriétaire de l'unique hôtel. C'est Madame Newless. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Rivers Inn, Whitewood. Whitewood, qu'est-ce que c'est? Oh, Dick, ne m'en veux pas trop, mais je vais changer mes plans pour les vacances. Changer tes plans? Oui. Je vais à un endroit nommé Whitewood pour une petite semaine faire des recherches. Ah oui. Et que fais-tu de la cousine Sue? Tu sais qu'elle compte sur toi pour son anniversaire le 17. Elle ne te pardonnera jamais. Je n'ai pas l'intention de rater cette fête, Dick. C'est important. Mon mémoire de fin d'année en dépend. Et de lui dépend ma bourse. Mais Anne, tu m'avais promis de venir. Voyons, Dick, tu t'amuseras très bien sans moi. Ma décision est prise. Je m'en vais à Whitewood. Ça ne me semble vraiment pas digne de toi de t'intéresser autant à des balivernes de ce genre. Les sciences occultes n'ont rien à voir avec des balivernes. Je suis désolé, Driscoll, mais sorcellerie, magie noire ou envoûtement, c'est pour moi comme des contes de fées, juste des fariboles. Je suis un scientifique, Driscoll. Je ne peux croire que ce que je vois, ce que je sens ou touche. La base du conte de fées est la réalité. La base de la réalité est le conte de fées. Oh, mais... Et en tant que scientifique, vous devriez connaître cette citation. Mais je ne peux pas croire que quelqu'un à Chicago puisse mourir d'une crise cardiaque simplement parce qu'un type a piqué une poupée de cire à Seattle. Vous n'en croyez rien. Mais les adeptes du vaudou en sont sûrs. Tu es seulement réfractaire. Non. Mais quand je regarde au microscope, je peux voir des bactéries qui nagent, se battent, existent. Ça, c'est réel. Ces sorcières persécutées et brûlées au XVIIe siècle étaient réelles aussi. Mais ce n'étaient pas des sorcières. Juste de malheureux êtres humains. Victimes de l'hystérie. D'éminents spécialistes ont de nombreux documents prouvant la pratique actuelle de la sorcellerie. Et quels effets ont ces pratiques? Est-ce qu'aucun de ces éminents spécialistes a déjà rencontré une sorcière? Et vous, en avez-vous déjà rencontré une? Peut-être. Alors, en voyant, vous êtes historien. Aucune sorcière n'a jamais survécu au bûcher malgré leur pacte avec le diable. En 1692, Elizabeth Selwyn monta au bûcher. Elle fut enterrée dans un cimetière en Nouvelle-Angleterre. C'est 3 ans plus tard... Oui. 3 ans plus tard, une nouvelle vague de sacrifices décima les gens du village qui l'avaient envoyée au bûcher. Les filles des habitants qui l'avaient condamnée furent à leur tour retrouvées mortes et toutes totalement vidées de leur sang. C'est à la suite de ces faits que plusieurs personnes sont venues témoigner qu'elles venaient de voir Elizabeth Selwyn. Oh, ça suffit. Ça pourrait peut-être être efficace à minuit par une nuit sans lune et avec l'orage qui gronde, mais même comme ça, ça n'effraierait personne. Dick, je suis désolée, professeur. Ce n'est rien, mademoiselle. Vous n'êtes pas le premier à ricaner sur ce sujet. Bon alors, quand comptes-tu arriver à... Où vas-tu? Whitewood. Ah oui, Whitewood. Envoie-moi une carte postale de sorcière, s'il te plaît. Et si possible, dédicacée. Allez, tu viens, on va déjeuner. Excuse-moi, j'ai un rendez-vous. Chérie, je ne vois toujours pas pourquoi tu veux aller dans ce village perdu. Tu sais, j'avais espéré que nous allions passer du temps ensemble pendant toutes ces vacances. Tu sais bien que j'aimerais être avec toi, seulement ça, c'est important. Écoute, qu'est-ce que tu crois que tu pourrais trouver qui n'aurait pas déjà été découvert? Je n'en sais rien du tout. Mais on ne sait jamais. Si caché au fond d'un grenier ou oublié chez un vieil antiquaire, un objet pouvait redonner des perspectives nouvelles à ce sujet... Quelle nouvelle perspective y aurait-il? Tu es étudiant en sciences, tu devrais connaître l'importance de la recherche. Mais cela n'a rien à voir avec le réel. Ce n'étaient que des gens superstitieux brûlant de vieilles femmes stupides. Mais suppose que ces femmes n'aient pas été idiotes. Suppose qu'elles aient vraiment eu un pacte avec le diable. Un pacte qui leur donne des pouvoirs surnaturels. Oh, voyons, quel genre de pouvoir? Je n'en sais rien.
Oh, tu sais, ça ne sert à rien, Bill. Nous ne la ferons jamais revenir sur sa décision. Et vous croyez qu'elle trouvera quelque chose d'intéressant ? Je crois seulement que nous devons accepter son désir de faire des recherches, même si nous ne sommes pas d'accord sur leur objet. Être d'accord avec ça ? Jamais je n'ai entendu autant d'absurdités que dans les cours de ce monsieur Driscoll. Ça y est, je suis prête. Ah, rien de ce que je pourrais te dire ne t'empêchera d'y aller, n'est-ce pas ? Oui, bon, ben, je vais mettre ça dans la voiture. Espère encore te faire changer d'avis, Anne. Ne t'inquiète pas, chérie. Je serai de retour dans une semaine. Ça va aller. Bien. N'oublie pas que je suis avec toi. Hein? Mais non. Fais attention à toi. N'oublie pas notre rendez-vous à la fête. Au revoir, chérie. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider? J'ai bien peur d'être perdue. Bien sûr, si je peux, oui. Je cherche la route qui mène à Darnal. La route pour Darnal, très peu de gens l'utilisent de nos jours. Pourtant, mon ami m'a donné ses indications. Suivre la route 28-8 jusqu'au croisement pour Darnal, tourner à gauche, puis tout droit jusqu'à Whitewood. Whitewood? J'en suis encore très loin? Non, madame, pas loin. Très peu de gens passent par là. Personne ne va à Whitewood de nos jours, mais si j'étais vous, je... Oh, je vous prie de m'excuser, je suis pressée. Par où est-ce? Eh bien... Vous continuez tout droit sur 2 kilomètres, là vous trouverez une fourche avec un panneau qui indique Darnal. Tournez à gauche, puis c'est tout droit jusqu'à Whitewood. Merci beaucoup, monsieur. Indique Darnal. Oui, mademoiselle, c'est ça. Ah, tant mieux, j'avais peur de l'avoir dépassé. Est-ce que c'est à Whitewood que vous allez? Oui. Moi aussi. Est-ce trop vous demander si... Non, bien sûr, allez-y. Merci. La direction départementale devrait faire réparer ces routes. Attention, voilà encore une autre bosse. Quelle est votre mission à Whitewood? Mission? Eh bien, je viens y faire quelques recherches sur la sorcellerie. Le professeur Driscoll nous a fait de très intéressants exposés sur le sujet et j'y vais pour essayer de trouver des documents originaux. Vous connaissez Whitewood? Oui, depuis de nombreuses années. Et vous y allez souvent? Très souvent. Alors vous devez connaître le River's Inn. C'est même là que je descends. Ah, moi aussi. Oh, mon nom est Anne Barlow. Je m'appelle Jason Keane. Ravi de vous connaître. C'est moi qui suis ravi. On croirait une image sortie d'un livre d'histoire. Ça me donne l'impression d'être revenu au XVIIe siècle. Pourquoi n'ai-je pas trouvé de livre sur Whitewood? Ça appartient au passé. Peu de touristes viennent ici. À Whitewood, le temps s'est arrêté. Regardez cette église. Elle a dû être splendide. Quel dommage qu'on la laisse à l'abandon. C'est tout droit? Oui, suivez cette rue jusqu'au bout. C'est ici. Encore une très ancienne construction. Sans doute du XVIIe siècle. C'est pittoresque au possible. Juste en face du cimetière. Oui, il n'a pas été utilisé depuis plus de 200 ans. Il y a des sorcières enterrées là? Oui, bien sûr. Toutes dans un secteur sans bénédiction de l'église. C'est triste pour elles.
Eh bien, croisons les doigts, Monsieur Keane. J'espère que Madame Newless a cette chambre. Mars 1692. Ici fut brûlée Elizabeth Selwyn pour sorcellerie. Je ne vous ai pas entendu arriver. Êtes-vous Madame Newless? Oh, je suis Anne Barlow. On m'a dit que je pourrais trouver une chambre ici. Un ami m'a recommandé votre hôtel. C'est le professeur Driscoll. Peut-être le connaissez-vous. Tu peux disposer, Lottie. Désolée de vous avoir fait attendre. Malheureusement, Lottie est muette. Je lui répète toujours de ne pas répondre à la sonnette. Oh, pauvre enfant. Vous êtes Madame Newless? C'est ça. Puis-je vous aider? Oui, je désirais une chambre pour une ou deux semaines. L'hôtel est presque complet. Ah, les clients sont rarement au salon à cette heure-ci. Mais je suis une élève du professeur Driscoll et il m'a dit que si je mentionnais son nom, je n'aurais pas de problème. Voyons, il me reste une chambre que je peux vous céder. Elle est à côté du vestibule. Oh, merci. Oh, Madame Newless, et cette plaque? Est-ce vrai qu'Elizabeth Selwyn a été emmenée au bûcher comme sorcière? Tout à fait. Et vous croyez que c'était une sorcière? Suivez-moi. Allons voir votre chambre. J'espère que vous vous y sentirez bien. Oui, c'est une belle chambre. Tous ceux qui l'ont occupée l'ont toujours trouvée agréable. Bien. Si vous désirez quoi que ce soit, utilisez la sonnette qui est à l'entrée. Merci. Ça fait déjà tellement longtemps. J'ai compté chaque jour en attendant ces retrouvailles. Comme tous nos invités. Ça n'a pas été facile pour la plupart d'entre eux de venir ici. Certains devaient parcourir de grandes distances. J'ai eu de la chance. Les derniers kilomètres étaient délicieux. Mademoiselle Barlow est de très bonne compagnie. Vous devez être fatigué, Jason. Rejoignez votre chambre. Et les festivités? Je suis fin prête. Madame Newless, je vais aller faire un petit tour en ville. Je ne sors pas très longtemps. À mon avis, vous allez trouver l'église intéressante. Malheureusement, elle n'a plus aucun fidèle. Le maître va être ravi.
Whitewood, heure des offices. J'avais cru comprendre que ce n'était plus un lieu de culte. Si, c'est toujours un lieu de culte. Je suis le révérend de cette église. Aussi longtemps qu'un souffle de vie subsistera en moi, cette maison restera la maison de Dieu. Ça a dû être un bâtiment splendide. Pour moi, il est toujours magnifique. Je comprends. Mais quel dommage de l'avoir laissé se dégrader ainsi. Les étrangers viennent rarement à Whitewood. Qui êtes-vous ? Mon nom est Anne Barlow. Je suis descendue au Rivers Inn. Pourquoi êtes-vous venue à Whitewood ? Eh bien, parce que je m'intéresse à la sorcellerie. Jeune fille, quittez Whitewood. Quittez Whitewood ce soir. Depuis près de 300 ans, le diable a envahi ce village. Il est devenu sa maison. Les habitants lui appartiennent. L'esprit du mal fait régner le maléfice ici. Regardez mon église. Je n'ai pas de paroissiens. Personne ne vient pratiquer ici. C'est lui qui a le pouvoir. Quel pouvoir ? Quittez Whitewood. Quittez Whitewood ce soir. Je vous en supplie, mon petit. Quel pouvoir ? Allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Mademoiselle. Veuillez excuser le désordre, en fait, la boutique est fermée. Vous avez pourtant des objets très intéressants. Oui, ça appartenait à ma grand-mère. Elle est décédée et je suis venue trier tout ça. Oh, excusez-moi. Alors vous ne vivez pas ici ? Non, ma famille est originaire du village. Moi, je ne suis là que depuis quelques semaines. Voulez-vous jeter un coup d'œil ? Merci. Oh, je ne voulais pas vous effrayer en entrant ici. Seulement, tous les gens que j'ai pu croiser agissent comme si je venais d'un autre monde. Ils ne voient pas beaucoup d'étrangers. Et j'ai eu aussi une assez étrange expérience avec le révérend. Il m'a empêchée d'entrer dans l'église. Il a aussi parlé d'un sort. Et il m'a dit de quitter Whitewood. Pouvez-vous expliquer ça ? Non, pas du tout. Il agit souvent comme ça ? C'est mon grand-père. Oh, je suis désolée de... Non, ce n'est rien, c'est déjà arrivé avec des étrangers. L'absence de paroissiens, la perte récente de sa vue, l'ont rendu amer et soupçonneux. Je ne sais si c'est à cause de lui ou du village, mais j'étais très effrayée. Quand j'ai vu votre porte ouverte, je me suis précipitée. Et vous avez bien fait. Auriez-vous des ouvrages ou des livres traitant de sorcellerie ? Vous en avez, d'après un de mes amis. C'est-à-dire, nous avons bien une collection d'ouvrages là-dessus, mais pourquoi seriez-vous intéressée par ce genre de... Oh, désolée, ça ne me regarde pas. Non, ce n'est rien. J'étudie ce sujet. Je suis venue ici pour écrire mon mémoire. Ah, attendez, je vais voir ce que je peux trouver. C'est Elizabeth Selwyn. Montant au bûcher, le 3 mars 1692. Oui, je sais. J'ai vu la plaque dans le hall de l'hôtel. Vous êtes descendue au Rivers Inn ? Oui. Il m'a été recommandé par un ami à moi, le professeur Driscoll. Alan Driscoll ? Oui, vous le connaissez ? Non, mais mon grand-père m'a déjà parlé de lui. Sa famille habitait ici. Oh, je ne le savais pas. Et je crois que ceci vous intéressera. Oh, le joli bracelet, je peux le voir ? Je pense qu'il est très ancien. Certainement. Il est très élégant. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce livre. Traité sur les sciences occultes en Nouvelle-Angleterre. Ça doit être un livre extrêmement rare. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous l'acheter. Je vous le prête, si vous voulez. Oh, vraiment, ce serait formidable. Je vous promets de le ramener dans quelques jours. Quand vous voudrez. Mademoiselle ? Barlow. Anne Barlow. Anne Barlow. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi.
Madame Newless? Madame Newless? Oui, mademoiselle Barlow. J'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Oh, probablement l'eau dans les tuyaux. C'est une très vieille installation. Non, ça semblait venir de la cave, juste en dessous. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. En effet, la cave ne donne pas sous votre chambre. Mais pourquoi y a-t-il une trappe dans le sol, alors? La cave a été comblée il y a bien des années pour renforcer la structure du bâtiment. Mais je suis sûre d'avoir... Si vous insistez, je vais venir voir ça. Je n'entends rien du tout. Mais pourtant, il y a quelques minutes... Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ce n'est pas grave, mais vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'anneau à la trappe, car il n'y a aucune raison de l'ouvrir. Il n'y a rien du tout là-dessous, à part de la terre. Bonsoir, Lottie, entre. Oh, je n'ai pas besoin de serviettes. Je n'ai pas encore utilisé celles qui sont là. Lottie, je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas déranger les clients. Mademoiselle Barlow, si vous voulez, vous pouvez vous joindre aux autres. Oui, mais je veux finir de noter quelques passages. Je m'habille et je les rejoins. Un traité sur les sciences occultes en Nouvelle-Angleterre? Eh bien, vous y trouvez ce que vous cherchiez? Oui, c'est fascinant. J'apprends tant de choses. Je pense que vous ne le savez pas vous-même, alors que vous habitez exactement à l'endroit où se dressait le bûcher. Écoutez ça. En ce soir de la Chandeleur, le 1er février de l'année 1692, une alliance de sorciers, une alliance des 13, c'est-à-dire des hommes et des femmes, rendait hommage aux démons, assemblés sous le River's Inn, pour pratiquer une messe noire en l'honneur de Lucifer. La sorcière Elizabeth Selwyn, qui fut brûlée plus tard sur le bûcher, désigna une jeune fille pour le sacrifice en se procurant un objet de valeur lui appartenant, une ruse pour l'attirer. Et en déposant dans sa maison un oiseau mort, ainsi qu'une branche de buis. Les sorciers sacrifièrent Janice Alter et burent son sang à la 13e heure. Qu'est-ce que cette 13e heure? Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu une horloge sonner plus de 12 coups. Alors, allez-vous vous joindre aux danseurs? Dans un instant, je vous promets. Oh, mais j'y pense. J'ai l'impression d'avoir perdu mon bracelet. J'étais sûre de l'avoir laissé ici, mais je ne le trouve plus. Oh, je suis désolée. J'interrogerai Lottie. Je ne veux pas dire qu'il ait été volé, seulement... Je me souviens de l'avoir enlevé et... Je ne sais plus où je l'ai mis. J'apprécierais beaucoup. Oui, bien sûr. Je vais voir ça tout de suite. Lottie, je t'ai demandé trop souvent de ne pas ennuyer nos clients. Si tu me désobéis encore, je te mets à la porte. Et si je dois te mettre dehors, tu n'auras plus nulle part où aller. Tu comprends bien ce que ça veut dire, Lottie? Thank you.
Oh, mademoiselle Barlow. J'ai bien peur que l'outil soit introuvable ce soir, mais je chercherai votre bracelet dès demain. Je vous remercie. Mais où sont tous vos hôtes? La plupart d'entre eux sont au cérémonial. Un cérémonial, le 1er février? C'est la Chandeleur. La nuit où les sorcières pratiquaient leur messe noire. Tout va bien, mademoiselle Barlow? Oui, ça va. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Cette année. T'as raison. C'est délicieux. Dick, as-tu une idée de ce que fait Anne?
Je pense qu'elle va arriver. Elle a sûrement rencontré un beau sorcier. Elle voulait l'amener à ta fête. Ils sont en panne de balai sur la route. Ce n'est pas le style d'Anne d'arriver en retard. Tu n'es pas inquiet pour elle? Non, elle va arriver. Ne t'en fais pas. C'est sûrement elle. Oh, tu veux aller ouvrir la porte? Je vais mettre de la musique. Bien sûr. Salut, Dick. Bill. Oh, que se passe-t-il? Vous attendiez quelqu'un d'autre? Eh bien oui, Anne. Mais entre donc, voyons. Anne? Elle n'est pas là? Elle m'a donné rendez-vous ici avant de partir à Whitewood. Elle ne va sûrement pas tarder. Donne-moi ton manteau. Anne n'a jamais été en retard de sa vie. T'inquiète pas. Allez, détends-toi. Va prendre un verre. Elle va pas tarder. Dick. Je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis 2 semaines. Elle a dû être trop occupée à travailler sur son mémoire. Non, non, non. Il y a quelque chose qui cloche. Vous feriez quelque chose pour moi? Appelez Whitewood et demandez quand elle est partie. Tu es sérieux? Mais évidemment. D'accord. Je voudrais l'inter. J'aimerais parler à Anne Barlow, au Rivers Inn, Whitewood. Non, je ne connais pas le numéro. Quoi? Elle ne vous a pas donné le numéro? Non, mais tu connais ma sœur. Ils disent qu'il n'y a pas de numéro à ce nom. Mais c'est impossible, c'est là qu'elle est descendue. Passez-moi la police. Elle est partie précipitamment. Elle a certainement oublié de vous le ramener, mademoiselle Russell. Elle avait l'air d'être une personne sérieuse. Je ne l'aurais pas cru capable d'oublier de rendre un livre. En général, on ne peut guère juger quelqu'un sur une première impression. Je me trompe rarement sur les gens à qui je prête mes livres. Vous ferez peut-être plus attention la prochaine fois. Je vous remercie, en tout cas. Mon bon souvenir à votre grand-père. Lottie. Écarte-toi du passage, petite souillon. Puis-je vous aider? Oui, nous sommes du bureau du shérif. Nous avons reçu un appel tout à l'heure à propos d'une personne disparue, une étudiante nommée Anne Barlow. D'après sa famille, elle avait pris une chambre il y a 15 jours au Rivers Inn. Anne Barlow, c'est étrange. Je l'ai rencontrée. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a environ 15 jours. Elle est venue à ma boutique et m'a emprunté un livre d'assez grande valeur et ne la voyant pas revenir, je suis venue pour le chercher. Madame Newless me l'a rendu. Puis-je? Oui. Un traité sur les sciences occultes. Je vais mettre ça dans mon rapport. Vraiment, les jeunes étudient de drôles de choses de nos jours. Eh bien, merci de votre aide. Tu viens, Charlie? Allô? Oui? C'est la police. Oui? D'accord, merci. Merci. Alors? La police a envoyé un agent au Rivers Inn. Anne a quitté l'hôtel il y a 15 jours. Je n'y comprends rien. Ce n'est pas normal. Tiens, c'est un livre et des notes qu'Anne a laissées. Parcours-les et vois s'il n'y a rien qui pourrait nous aider. Je vais de ce pas rendre visite à un de mes collègues. Ô ange des ténèbres,
accepte ce sacrifice. Puis-je entrer ? Oui, bien sûr, faites donc. Débarrassez-vous. J'essayais de vous joindre hier soir, mais vous n'étiez pas là. Non, j'étais absent. Passez donc au salon. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez un verre ? Whisky, soda. Glace ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive ? Anne a disparu. Et ce, depuis le lendemain de son arrivée à Whitewood. Vraiment ? Vous êtes sûr ? C'est ce que dit la police. Quelles recherches ont-ils fait ? Une simple enquête de routine. Je suppose qu'ils ne peuvent guère faire plus tant qu'il n'y a rien de certain. Et pourtant, il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire. Quoi ? D'après ce qu'ils ont dit, elle a disparu il y a 2 semaines et personne au village ne semble rien savoir. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir ? J'espérais que vous auriez une idée. Pourquoi l'avoir envoyée à Whitewood ? Parce que c'était l'endroit idéal pour ses recherches. C'est vous qui lui avez recommandé le Rivers Inn. Bien sûr, c'est le seul hôtel qu'il y ait. Mais son numéro n'est même pas dans l'annuaire. L'hôtel a ses clients fidèles et n'a pas besoin de la publicité de l'annuaire. Et comment le savez-vous si bien ? Parce que c'est à Whitewood que j'ai vu le jour. Je vois. Vous aviez donc de bonnes raisons de penser qu'elle y serait en sécurité. Je n'avais aucune raison de penser le contraire. Anne m'avait semblé parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Je suis bien d'accord, mais... pourquoi ne nous fait-elle pas savoir où elle se trouve ? Écoutez, Barlow, je comprends votre inquiétude, mais je suis certain qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à son sujet. Elle est probablement trop absorbée par ses recherches et elle en oublie d'appeler. Je rêverais que tous mes élèves soient aussi appliqués qu'elle. Eh bien, je vais aller voir où son application l'a menée. Je vais aller suivre la piste de chacun de ses pas, Driscoll. Je vais retrouver Anne, je saurai ce qui lui est arrivé. Je ne vous ferai pas changer d'avis. Non. Vous n'avez pas peur ? Peur ? Pourquoi ? Si jamais quelque chose est vraiment arrivé à votre sœur et que vous vous retrouvez dans le même piège qu'elle... La même chose pourrait m'arriver ? C'est possible. Maintenant, vous insinuez qu'il lui est arrivé quelque chose ? Non, je crois juste que vous vous inquiétez pour rien. Peut-être, mais je la retrouverai. Professeur Driscoll ? Oui ? Je ne voudrais pas vous déranger, mais puis-je vous voir ? Mais bien sûr, entrez donc. Bonne chance à Whitewood. Merci. Excusez-moi, mais vous avez dit qu'il allait à Whitewood ? Oui, c'est ça. C'est un peu surprenant, mais j'arrive à l'instant de Whitewood. Vraiment ? Quelle coïncidence. Ma famille est originaire de Whitewood et moi-même, j'y suis né. Oui, je sais. Asseyez-vous. Merci. Un rafraîchissement ? Non, merci. Je pense que vous connaissez mon grand-père, le révérend Russell. Russell ? Oh oui, bien sûr. Depuis quand vivez-vous à Whitewood ? Depuis le décès de ma grand-mère il y a quelques semaines. Oh, désolé. Et en quoi puis-je vous aider ? C'est à propos de l'une de vos étudiantes, Barlow, Anne Barlow. Oui ? Elle est arrivée à Whitewood il y a 2 semaines. Elle est venue au magasin et m'a expliqué qu'elle était étudiante dans votre classe et que c'est vous qui lui aviez recommandé de descendre au Rivers Inn. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'en viens à la raison de ma venue ici. Le lendemain de son arrivée, elle a disparu. Oh. Avant-hier, la police est venue faire une enquête car la famille s'inquiétait. J'ai pensé que vous auriez leur adresse. Pourquoi voulez-vous l'adresse de sa famille ? Parce que j'ai un objet à elle que je voudrais leur restituer. Pourquoi ne pas me le confier ? Je me chargerai de le leur rapporter. Je n'ai pas envie de vous déranger et je voulais simplement leur adresse. Comme vous voulez. Leur adresse est rue Franklin Roosevelt, 225. Elle habite chez son frère. En fait, c'est un de mes collègues. Vous l'avez croisé. Il s'en allait à votre arrivée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Je suis très occupé en ce moment. Je vous remercie de votre aide. Je vous en prie, si je peux vous être utile.
Et saluez votre grand-père de ma part. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Oui, en effet, on dirait le bracelet d'Anne. Autant que je sache, il est unique. Je le lui avais offert. Où l'avez-vous eu ? La servante de l'hôtel me l'a donné. C'était étrange. Je crois qu'elle ne voulait pas que Madame Newless le sache. Madame Newless ? La propriétaire de l'hôtel. Oh, et pourquoi êtes-vous venue, Mademoiselle Russell ? Et j'ai trouvé ceci. Un papier en tête du professeur Driscoll. Je l'ai trouvé entre les pages du livre que j'avais prêté à votre sœur le soir de son arrivée à Whitewood. Comme elle ne me le rapportait pas, je suis allée à l'hôtel. Quel genre de livre ? Un vieux livre qui parle de sorcellerie. Vous, mademoiselle, est-ce que vous y croyez ? Je ne sais pas. Parfois, j'ai presque l'impression de vivre avec. Vivre avec ? C'est une obsession de mon grand-père. Jusqu'à présent, je ne le prenais pas très au sérieux, c'est un vieil homme. Mais là, je commence à me demander si ce qu'il dit n'est pas fondé. Et que dit-il ? Qu'il y a quelque chose de maléfique au village. Que certaines nuits, tous les habitants rentrent chez eux, ferment leurs portes et se barricadent. Que durant ces nuits, les morts se réveillent. Ce ne serait pas la nuit de la Chandeleur. Que savez-vous de la nuit de la Chandeleur ? C'est dans l'un des livres d'Anne. Non, voyons, ce n'est pas crédible. Ces choses-là n'arrivent plus de nos jours. À Whitewood, je me le demande. Je vais à Whitewood demain après la classe. Voulez-vous que je vous y emmène ? C'est gentil, mais je dois rentrer ce soir. Il faut que je m'occupe de mon grand-père, il est aveugle. Et pourrais-je passer vous voir quand j'y serai ? J'aimerais beaucoup lui parler. Avec plaisir, c'est la maison en face de l'église. Au revoir. Au revoir. Je vais vous reconduire. Est-ce que vous allez à Whitewood ? Oui. Pourriez-vous m'emmener avec vous ? Entre la nuit et le brouillard, j'ai peur de me perdre. Vous êtes la petite fille du révérend Russell, n'est-ce pas ? Oui, comment le savez-vous ? J'en connais beaucoup sur Whitewood. Vous y êtes déjà allé ? Oui, souvent. Je ne vous ai jamais vu. Me voir est un privilège un peu spécial, réservé à très peu de gens. Que voulez-vous dire ? Nous serons bientôt à Whitewood. C'est ici que je m'arrête. Vous... Charmante. Oui, c'est vrai. Charmante. La descendante vivante de ceux qui ont été damnés. D'une certaine façon, c'est encore mieux. Encore une journée. Et demain ? Les réjouissances du sabbat. Tout droit jusqu'à la fourche, suivez le panneau, tournez à gauche. Vous allez à Whitewood ? Exact. Beaucoup de gens vont par là ? Pas beaucoup. Est-ce que c'est la seule route pour rentrer et sortir ? Mais il n'y en a qu'une.
Et par hasard, vous ne vous souvenez pas d'une belle jeune femme en décapotable il y a une quinzaine de jours? La fille Barlow, j'ai vu son nom dans le journal. Je ne l'ai jamais revue, je l'ai déjà dit à la police. Merci. Bonjour, monsieur. La direction pour Whitewood, je vous prie. Encore un? Tout droit. À la fourche, vous suivez le panneau indiquant Darnall. À gauche, puis tout droit. Merci bien. Je vous préviens, jeune homme, il n'aime pas les étrangers à Whitewood. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je désire une chambre, s'il vous plaît. L'hôtel va fermer. Ah, je ne reste que quelques jours. Puisque je vous dis que nous fermons. Quand? Après-demain. Bien, si vous permettez, je resterai 2 jours. Si vous insistez. Pourrais-je avoir la même chambre que ma sœur, s'il vous plaît? Si elle est libre, bien sûr. Oui, elle est libre. Madame Newless, vous avez dit à la police que ma sœur était partie le 2. Vous faites erreur, monsieur Barlow. J'ai dit à la police qu'au matin du 2 février, j'ai été à sa chambre que j'ai trouvée vide. Ses bagages avaient disparu et son lit n'avait pas été défait. Mais sa note est restée impayée. Rajoutez-la sur la mienne. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Dans la soirée du 1er février. C'était un peu avant minuit, elle était ici même et dansait avec un des clients. Elle avait l'air de bien s'amuser. Est-ce qu'une personne en particulier paraissait s'intéresser spécialement à elle? Je ne l'ai pas remarqué. Votre sœur semblait plutôt discrète. Vous savez pourquoi elle était venue à Whitewood? Ce n'est certes pas mon habitude de m'immiscer dans la vie privée de mes clients. Et le fait qu'elle faisait une recherche sur les sorcières n'a pas dérangé qui que ce soit au village? À vrai dire, elle n'est pas la première étudiante à venir ici. De plus, votre sœur était une très aimable et agréable jeune femme. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'elle a pu faire? Non, aucune. Merci. Puis-je voir ma chambre? Si vous voulez. Suivez-moi. Si vous désirez quoi que ce soit et que je ne suis pas là, il vous suffit de sonner. Merci.
Bonsoir. Je suis ravie que vous soyez venu. J'ai vu votre voiture devant l'hôtel tout à l'heure. Je me demandais ce qui vous était arrivé. J'ai discuté avec Madame Newless et j'ai fait un petit tour du village. Vous avez du nouveau? Les gens ont tous l'air effrayés par quelque chose. Ce ne serait donc pas seulement mon imagination? Je n'en sais rien. Qui sait où l'imagination finit et où la vérité commence? Il n'y a rien de très tangible. C'est leur façon de vous regarder. Je l'ai senti aussi. Pourrais-je voir le livre que ma sœur vous a emprunté? Oui, et j'ai mis une marque à la page où il semblerait qu'elle se soit arrêtée. Asseyez-vous, je vais aller chercher mon grand-père. Merci. Grand-père, voici Monsieur Barlow. Comment allez-vous? Dieu soit avec vous. Installons-nous dans un endroit plus confortable. Assieds-toi là, grand-père. Tu dois être fatigué. Oui, je suis exténué. Les combats de ces derniers jours m'ont pris toutes mes forces. Asseyez-vous, je vais faire du café. Des combats contre quoi, Monsieur Russell? Contre les démons qui possèdent ce village. Les habitants sont des créatures du diable. Ils ne connaissent aucun autre dieu. Vous voulez dire qu'ils vénèrent Satan, ici? Et ses adeptes n'ont jamais été aussi enragés qu'à présent. Voilà 200 ans que les habitants de Whitewood accomplissent des rituels qui méprisent les enseignements de l'Église. C'est vraiment très difficile à croire. Ne doutez plus, mon fils. C'est réel, hélas. Depuis des années, je lutte contre toutes ces sorcières. Elles ont réussi à m'enlever mes yeux. Ça paraît incroyable. J'ai tenté d'en convaincre d'autres. Eux aussi ont trouvé ça impensable. Mais je sais que ces gens-là ont un pacte avec le diable. Ils lui vouent un culte, lui font des sacrifices. En retour, ils leur donnent la vie éternelle. La vie éternelle? Oui. Et pour sceller ce pacte, ils doivent sacrifier une jeune fille deux fois durant l'année. Ça se passe quand? La nuit de la Chandeleur et le jour du grand sabbat. La Chandeleur, je sais que c'est le 1er février. Quand vient le sabbat? Ce soir. Maintenant, vous savez pourquoi je suis venue. Je n'ai pas vu qu'il était aussi tard. Puis-je vous laisser sans boire ce café? J'aimerais dire encore deux mots à Madame Newless. Bien sûr. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Je vous raccompagne. Que Dieu vous vienne en aide. Mademoiselle Russell, pensez-vous que la disparition d'Anne a un quelconque rapport avec ces cérémonies de sorcières? Oui. Oh, est-ce que vous me permettez de revenir plus tard? Bien sûr. Mon nom est Pat. Le mien est Dick. Et je me sens mieux maintenant que vous êtes là. Eh bien, je resterai jusqu'à ce que j'apprenne ce qui est arrivé à Anne. Faites attention. Allez, bois ton café avant qu'il ne soit froid. Il ne faut pas que ce jeune homme revienne ici ce soir. Pourquoi ça? Le démon peut prendre de nombreuses apparences. Et je te donne une cuillère.
grand-père, il y a un oiseau dans le tiroir. Il est transpercé d'une flèche. Va vite voir sur la porte. Il y a une branche de buis. Ferme la porte, vite. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi, ma chérie. Ceci est leur signe, celui des sorcières. Que pouvons-nous faire? Il nous faut partir. Quitter la ville tout de suite. Je démarre la voiture. Il y a quelque chose qui cloche. C'est un sabotage. À Barlow. Allô? 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 Passez-moi le Rivers Inn. Oui, Madame Newless. Monsieur Barlow. C'est pour moi? Oui. Allô? Dick! Dick, je cours un terrible danger. Je dois quitter Whitewood maintenant. Un danger? Mais de quoi? Nous devons partir. Ah! Pat? Lâchez-moi! Patricia! Pat! Monsieur Russell, vous êtes là? Monsieur Russell! Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Russell? Les sorcières! Les sorcières! Oh, Patricia! Détruisez-les! Mais comment, Monsieur Russell? L'ombre de la croix! Utilise la croix! J'adjure ces honteuses créatures de Satan par la volonté de Dieu. Monsieur Russell. Maitland, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Opératrice.
n'attendions plus que vous. Dick, c'est ici qu'ils ont tué Anne. Barlow. Ah, aidez-moi. Restez ici.